soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Ce matin encore, vous êtes à l'endroit idéal. À l'endroit idéal pour que Dieu puisse toucher vos cœurs, pour que Dieu puisse recevoir votre louange et votre adoration, pour que vous soyez bénis, pour que vous soyez fortifiés, encouragés, pour que vous soyez visités par l'Esprit de Dieu. Vous êtes au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Et cette personne, c'est Jésus. Alors on va se lever dans la présence de Dieu, on veut souhaiter la bienvenue à ceux qui sont avec nous, qui nous accompagnent semaine après semaine, ceux qui sont encore dans l'incapacité de venir en présentiel ici ou ceux qui de loin nous suivent à travers Facebook Live, à travers YouTube. Est-ce qu'on peut leur souhaiter la bienvenue avec nous? Est-ce qu'on peut les acclamer, leur dire qu'ils sont avec nous et qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière? L'Esprit de Dieu agit ici, mais il agit également dans chacune des maisons. Et nous voulons tourner nos regards vers le Dieu souverain, celui qui est l'unique, le grand Je suis, l'éternel, El Shaddai. Son nom est le Tout-Puissant. Et je vous invite à entrer dans la présence de Dieu à travers cette louange que le roi David a faite monter dans le psaume 145. Il dit « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. » Et je louerai ton nom à toujours et à jamais. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes merveilles. On parlera de ta force redoutable et je redirai ta grandeur. On évoquera le souvenir de ton immense bonté. Et l'on acclamera ta justice. L'Éternel fait grâce. Il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront ta gloire, la gloire de ton règne, et ils parleront de ta puissance pour faire connaître aux hommes tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. Et le peuple de Dieu répond amen, amen, amen. Il est le miséricordieux, il est le Dieu souverain, il est le Dieu qui t'aime. Ce matin, il voudrait que son amour puisse percuter ton cœur et que tu te laisses remplir de son esprit. Est-ce que tu es prêt comme un vase qui est grand ouvert afin que l'onction, l'esprit de Dieu, l'amour de Dieu, la vie de Dieu coule en toi ce matin? Alors si tu es prêt, lève tes mains vers lui et dis-lui: oui, tu es le miséricordieux et ce matin mon cœur te chante, mon cœur te loue, mon cœur t'adore. Tu es mon Dieu, mon roi, et je veux te célébrer dans l'assemblée des fidèles. Que ton nom Jésus soit élevé et que ta gloire soit révélée, manifestée dans ce lieu. Dans le nom puissant de Yeshua, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur.
tes mains, élève ton cœur et chante la gloire de ton Dieu ce matin. Je suis à toi. Ton nom est Yeshua. Et je veux te louer ce matin. Je veux t'adorer. Je veux me prosterner devant ta grandeur. Ton nom est merveilleux. Tu es le redoutable. Tu es l'admirable. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Une acclamation devant le roi des rois. Il est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Le psaume 145 nous dit: tes fidèles te béniront et ils diront la gloire de ton règne et parleront de ta puissance. Voilà à quoi nous sert notre bouche en réalité. Notre bouche nous sert à dire les merveilles de notre Dieu. Notre bouche nous sert à proclamer le règne de Dieu. Notre bouche nous sert à louer et adorer, à exalter, à élever le plus beau de tous les noms, celui de Jésus, notre seul, unique et merveilleux Seigneur et Sauveur. Amen. Il est celui qui te donne des forces quand tu es au bout du rouleau. Il est celui qui vient te visiter, il est celui qui vient te relever, il est celui qui vient t'encourager. Jésus est celui qui vient s'asseoir au bord du chemin quand tu es las et fatigué, comme avec Bartimée. Lorsque Bartimée était là, au bout de sa vie, au bord du chemin, alors qu'il avait une vie misérable, Jésus est allé là, au bord de ce chemin-là. Et Jésus vient, il vient ce matin sur ton chemin. Et c'est ça qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est que c'est toujours lui qui prend l'initiative de s'approcher de nous. Et ce matin, tu crois que c'est toi qui as pris l'initiative de venir dans son sanctuaire, mais c'est lui qui a pris l'initiative de mettre le désir dans ton cœur de monter dans la maison de Dieu. Et c'est lui qui a pris l'initiative de te fixer un rendez-vous ce matin. Et tel un père qui ne voit pas ses enfants depuis longtemps et qui veut les serrer dans ses bras d'amour, eh bien c'est comme ça que Dieu est occupé en ce moment. Tu ne les vois pas les bras de Dieu, mais ils sont autour de toi. Ils sont autour de ton cœur et ils te transmettent, les bras de notre Dieu te transmettent en ce moment l'amour dont tu as besoin, le réconfort dont tu as besoin, la parole d'encouragement que tu as besoin d'entendre, tu vas l'entendre ce matin. Et l'Esprit de Dieu qui va te relever, tu vas le recevoir ce matin. Il est celui qui te donne force, courage, persévérance, abnégation, résilience. Tout est dans son nom. Son nom mérite l'adoration et la louange de nos cœurs ce matin. Peuple de Dieu, ne reste pas muet. Élève le nom qui mérite la gloire, la louange et l'honneur, celui de Jésus. Alléluia. Ta louange ce matin. Dis-lui tout simplement merci pour la vie. Merci parce que ce matin tu as pu te lever, tu as pu prendre la voiture et venir dans la présence de Dieu. Dis-lui merci pour ça. Dis-lui merci parce que tu as ouvert tes yeux. Dis-lui merci parce que tes poumons respirent. Dis-lui merci parce que aujourd'hui tu es là. Demain ne t'appartient pas, mais aujourd'hui tu es là. Et quoi qu'il advienne, le meilleur est toujours devant. Le meilleur est toujours à venir. Avec Dieu, le meilleur n'est jamais derrière. Il est toujours devant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te loue et je t'adore ce matin. Dis.
ton nom est digne. Alléluia. Louange, adoration. Parle de toutes tes forces, tu es ma force, incomparable, tu viens à moi Seigneur. Je veux te bénir pour ta présence ce matin. Je veux te louer, t'adorer pour qui tu es et pour ce que tu as fait, pour le sacrifice parfait que tu as accompli. Merci Seigneur parce que ton cœur de père ne voulait pas rester loin du mien, loin du nôtre. C'est pourquoi tu t'es approché, tu as tout accompli. Merci Jésus parce que tu as accompli, tu as consenti à ce sacrifice parfait, celui qui nous réconcilie avec le Père. Merci Seigneur parce qu'à travers ton sacrifice, à la croix, à travers ton sang qui a coulé, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous qui étions loin de Dieu, nous qui étions ennemis de Dieu, à cause de notre rébellion, à cause de notre péché, à cause de la noirceur de notre cœur, nous étions condamnés. Notre destinée était normalement l'enfer, loin de toi. Mais ton amour, Seigneur, a triomphé et tu t'es approché de nous. Tu as brisé la barrière qui nous séparait, la barrière du péché, tu l'as pulvérisée à la croix.
et tu as pris, Seigneur, nos fautes, tu les as clouées à la croix. Merci parce que tu as tout donné. Seigneur, tu as donné ce que tu avais de plus précieux, Jésus, ton Fils unique. Merci, Seigneur. Et ce matin, je ne veux pas être indifférent devant un tel amour. Ce matin, je ne veux pas être ingrat. Je ne veux pas être, Seigneur, comme si cela m'était dû. Mais je veux avoir une attitude de reconnaissance, de gratitude. Je veux avoir une attitude d'émerveillement, comme si je découvrais cet amour pour la toute première fois. Je veux me laisser envahir ce matin, comme la première fois que mes poumons se sont remplis d'oxygène. Au moment où je suis né, Seigneur, j'étais en contact avec le monde extérieur et mes poumons ont respiré. Et de la même manière ce matin, ma louange et mon adoration, c'est comme une bouffée d'oxygène que je veux prendre pour mon âme. Alors oui, Seigneur, sois élevé, sois béni, sois adoré pour qui tu es et pour ce que tu as accompli à la croix de Golgotha. Que ton nom, Jésus, soit béni aujourd'hui et à jamais. Amen. Alléluia. Tu as tout donné pour moi. Pourtant, tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan, ton amour sans fin. De tout mon cœur,
que tu peux lui dire, je chante à jamais, ton amour, je l'exalterai. Et ce matin, je ne veux pas être indifférent, je veux m'émerveiller encore. Je veux te louer, t'adorer. Dis-lui simplement, les paroles merveilleuses qui débordent de ton cœur, exprime-les. Ne reste pas muet, le masque ne doit pas t'empêcher de remercier ton Dieu. Le masque ne doit pas t'empêcher, ne doit pas être une privation de louange. Si le monde a voulu qu'on porte des masques, le monde extérieur ne pourra jamais taire la louange, l'adoration du peuple de Dieu. Et ce matin, ce n'est pas un bout de tissu que tu portes devant ton visage qui va t'empêcher d'exprimer ta louange et ton adoration. Et il mérite que tu le loues, il mérite que tu l'adores. Considère ta vie et tu as plus de 10 000 raisons pour le louer et l'adorer. Ce matin, en te réveillant, en ouvrant les yeux sur ce monde, eh bien, tu as déjà, rien qu'à ce moment-là, 10 000 raisons de le louer, d'exprimer. Exprime ta louange et ton admiration, ton remerciement, parce que tu es une créature merveilleuse. Je sais que le matin, quand on se réveille et qu'on quitte la chambre pour aller dans la salle de bain, qu'on se regarde dans le miroir, on se dit, Seigneur, t'es sûr que le psaume 139 est vrai? Je te loue de ce que je suis une créature. Point. Et après, l'Esprit de Dieu te dit, non, tu es une créature merveilleuse. Même si t'as les cheveux en pétard, même si tu n'as pas encore fait ton brushing, même si tu n'as pas mis ton mascara, ton ricil et tout ce que tu veux, même quand tu as une mauvaise haleine, que tu t'es pas encore brossé les dents, tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Alors ce matin, eh bien, je veux le louer et l'adorer parce que je suis une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse et je veux louer mon Dieu. Vous savez pourquoi nous sommes des créatures merveilleuses? Parce qu'il nous a créés à son image. Nous reflétons. Regarde, tourne-toi, fais juste un demi-tour sur la gauche, sur la droite. Regarde autour de toi, derrière un masque que tu vas voir. Je prophétise, si tu te retournes, tu vas voir un masque. Eh bien, derrière ce masque, il y a une créature merveilleuse. Ne t'arrête pas au masque, ne t'arrête pas à la barrière, ne t'arrête pas à ce qui semble être un mur, un frein dans la relation. Derrière le masque, tu lis dans les yeux de ton frère et de ta sœur un regard, un sourire. Il n'y a pas besoin de la bouche pour sourire, dans les yeux ça se voit. Et tu vois le regard émerveillé de ton frère, de ta sœur, de ton voisin qui est là. Et tu vois en lui, tu vois en elle une créature merveilleuse. Alors moi c'est facile, d'où je me tiens, je vois plein de créatures merveilleuses. Et je bénis mon Dieu pour ça. Je bénis mon Dieu parce que c'est le Dieu du génie. C'est le Dieu qui fait les choses géniales comme personne d'autre peut les faire. Alors oui, ce matin, je veux le louer et l'adorer. Est-ce que je peux entendre amen? Non, vraiment un vrai amen, pas pour de faux. Un amen de conviction, un amen où vous déchirez le ciel tellement que vous êtes convaincu de cela. Dieu est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur pour l'aurore d'un jour nouveau que tu fais lever sur nos vies. Tu reviens bientôt Jésus et l'émerveillement de nos cœurs sera tel que nous n'aurons même pas de mots pour l'exprimer. Déjà lorsque nous prenons conscience ici-bas de ton amour, de qui tu es, nous restons, Seigneur, émerveillés devant un amour tellement immense, tellement grand. Mais lorsque nous te verrons face à face, lorsque tu viendras enlever ton église, ceux qui auront purifié leur cœur, ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ceux qui auront détourner leur vie de leurs péchés pour se tourner vers le glorieux Seigneur et Sauveur que tu es. Ce que tu viendras enlever, ton Église qui est purifiée, ton Église qui est sanctifiée par la parole, ton Église constituée de tes enfants, de ton peuple, de tous ceux qui sont nés de nouveau. Lorsque nous te verrons face à face, Seigneur, lors de ton prochain retour, nos cœurs seront émerveillés, Seigneur. Quel jour béni, le jour où Jésus reviendra. Quel jour glorieux, le jour où nous serons dans sa présence pour toujours et à jamais. Alors oui, ce matin, Seigneur, nous voulons déjà dans l'esprit nous émerveiller de ce jour. Ce jour qui nous garantit que l'éternité, nous la vivrons avec toi, dans ta présence. Quel glorieux séjour, que le séjour de notre Dieu, celui qu'il nous réserve. Alors ce matin, Seigneur, eh bien, je veux exprimer avec mes frères, avec mes sœurs, cette reconnaissance, cette admiration, cet émerveillement devant qui tu es.
Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Voici l'aurore. Continue sur la même mélodie. J'invite l'Église à bénir Dieu comme nous l'avons chanté. Que de ta bouche sortent les merveilles pour ton Dieu. Exprime ta louange, ton adoration. Bénis ton Dieu. Mon frère, ma sœur, ne reste pas là devant tes problèmes, mais bénis Dieu. Tu es dans les difficultés, bénis Dieu. Tu es dans un moment de bénédiction, bénis Dieu. Tu es dans un moment d'adversité, bénis Dieu. Quel que soit le chemin sur lequel tu te retrouves, bénis ton Dieu ce matin. Alléluia. Élevons ensemble nos voix. Donnons gloire à celui à qui elle appartient. Rendons gloire à notre Sauveur, à notre Seigneur, pour qui il est. Alléluia. Ton nom est merveilleux. Je veux te louer et t'adorer, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour le bonheur de te connaître.
Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, dans le monde séculier, les gens ne savent plus où tourner la tête. Merci Seigneur, parce que toi, tu donnes un sens à notre vie. Les gens sont prêts à payer des sommes invraisemblables pour avoir un peu de paix. Un peu de paix, un peu de paix dans le cœur, un peu de paix dans l'âme. Et ils vont de thérapeute en thérapeute, cherchant du réconfort. Ça nous montre combien le cœur de l'homme est dans la détresse. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui peut donner gratuitement la paix qui surpasse toute intelligence, celle que toi, Jésus, peux nous offrir. Et ce matin, Seigneur, je veux déclarer la puissance de ta parole. Je veux déclarer, Seigneur, la profondeur de ton amour. Je veux, Seigneur, en le proclamant, qu'il se manifeste dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, dans le cœur de ton Église ce matin. Que ton amour, Seigneur, puisse envahir. Merci, Seigneur, parce qu'avec toi, tout est gratuit. Nous n'avons pas besoin de payer. Seigneur, tu as tout payé. Ta parole déclare, venez à moi. Tu nous lances une invitation. Oh, vous tous qui avez soif, venez, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous? Pourquoi pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon et vous vous délecterez de mets succulents. Amen. Les mets succulents, c'est le plat que tu aimes le plus. Celui, rien qu'à y penser, tu salives déjà. Pour certains, c'est un McDo avec un hamburger et des frites. Hier, on était à table avec les enfants et on a fait ce jeu-là. C'est quoi ton plat préféré? Et je les ai tous écoutés. Et puis, rien qu'à parler, parce que ce n'était pas encore arrivé à mon tour de parole, rien qu'à penser ce que j'allais dire, je salivais déjà. Et alors, tous les enfants étaient autour de la table et chacun y allait du sien. Et moi, j'aime bien ceci et moi, j'aime bien cela. C'est vrai que ce qu'ils aimaient, c'était pas mal. Mais rien qu'à penser au plat que moi, j'aime, là, ça change tout. Et alors, quand mon tour est arrivé, je dis, mon plat préféré, celui, quand Magda prépare ce truc-là, je deviens fou. Je vais le dire, comment il s'appelle ce plat. Ça s'appelle des mbignolades. Vous connaissez? Qui connaît les mbignolades? Alors un jour, on va faire ça, quand il n'y aura plus cette crise sanitaire. On va faire des mbignolades pour toute l'église. Magda, retrousse tes manches quand on reviendra des États-Unis. Mbignolades pour tout le monde. Alléluia. Mais c'est extraordinaire les mbignolades. Vous ne connaissez pas les mbignolades? C'est une spécialité sicilienne. Voilà qu'on est dans la louange et que je parle de gastronomie. Mais la louange, c'est une gastronomie. Une gastronomie de l'âme, une gastronomie du cœur. Je vous expliquerai à un autre moment c'est quoi les mbignolades. Parce que ce matin, je voudrais dire que les mets les plus succulents, c'est la présence de notre Seigneur et de notre Sauveur. Et rien qu'à penser à sa présence, nous devrions saliver. Nous devrions être comme des fous qui veulent adorer, louer et toucher le bord de son vêtement pour recevoir la guérison. Tu as besoin de réconfort ce matin? Qui a besoin de réconfort ce matin? Levez la main. Allez vous jeter dans les bras de Jésus. Est-ce que tu as besoin de guérison? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de guérison ce matin? Levez la main. Va te jeter dans les bras de Jésus. C'est là ta place. Si tu as besoin de réconfort, si tu as besoin de guérison, si tu as besoin d'encouragement, est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'encouragement ce matin? Moi, le premier, j'ai besoin d'encouragement. Je vais. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir avec moi ce matin? Je vais me jeter dans les bras de mon Seigneur, de mon Sauveur. Je me jette, je m'abandonne, je me livre. Je plonge dans cet océan, l'océan de son amour, dans les bras de Jésus, mon Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur, parce que c'est mes succulents, Seigneur. Ce n'est pas du matériel, ce n'est pas une nourriture qui va périr, mais c'est ta présence, celle qui nous rassasie. C'est cette eau rafraîchissante de ta présence. Et tu nous dis dans ta parole que celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. C'est une eau qui désaltère, c'est des mets succulents qui nous rassasient.
Oh, combien il est bon d'être dans ta présence. Et ce matin, Seigneur, je veux m'abandonner, je veux plonger, je veux me jeter dans tes bras d'amour et te dire merci, Seigneur. Merci parce qu'à jamais tu règnes, à jamais tu es le même. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et mon cœur, Seigneur, te loue et t'adore ce matin. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Chantons alléluia,
nom de Jésus ce matin. Il est vivant à jamais. Il règne. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce matin, il est présent dans ce lieu parce qu'il veut te bénir et il veut te parler. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ensemble, le roi des rois ?